L'assureur de protection juridique, c'est l'assureur qui couvre le risque juridique. Alors, qu'est-ce que c'est que le risque juridique? C'est tout simplement le risque d'avoir un litige ou même d'avoir besoin d'une information juridique. L'assureur de protection juridique va donner de l'information. Il va couvrir le risque juridique, c'est-à-dire qu'il va gérer les litiges de ses clients. Alors, il va les gérer à l'amiable, mais si l'amiable ne fonctionne pas, il pourra prendre en charge les frais de justice, payer un avocat. L'évolution de la protection juridique, c'est aujourd'hui prendre en charge un certain nombre de nouveaux risques. Parmi ces nouveaux risques, il y a les risques qui sont liés à Internet. Alors les risques à Internet, c'est quoi? C'est la fraude sur Internet, c'est la fraude aux cartes bleues, c'est aussi l'atteinte à l'irréputation, c'est-à-dire de risquer d'avoir son nom pris par un tiers. Et c'est, je dirais, un certain nombre de sujets qui aujourd'hui, un tiers des Français nous disent aujourd'hui qu'ils ont déjà eu un problème sur Internet. L'assureur de protection juridique saura apporter une réponse face à ce nouveau risque. Alors mon conseil, si vous avez un litige, surtout essayez de maintenir la relation avec votre adversaire. C'est essentiel, maintenez le dialogue, essayez de trouver une solution. Faites un effort pour trouver cette solution, parce que s'il y a blocage, il y a un risque de procès, et s'il y a un risque de procès, il y a souvent de la casse.